senti que on prend le carton rouge, après on prend un essai 2 minutes après. Et j'ai senti que dans le but, personne s'est démobilisé. Et qu'au contraire, on s'est dit, faut y aller. On est un de moi, maintenant feu. Il faut tout donner pour pas lâcher, quoi. Je pense que, ouais, que le groupe s'est dit que là, il faut se remobiliser. Et qu'il faut vraiment maintenant tout donner pour la moitié du championnat qui reste, quoi. Que maintenant, on a fait des erreurs et maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Il faut se battre jusqu'à la fin pour pas descendre, quoi. Ouais, c'est dur à expliquer parce que on pourrait se demander si on se prend pour d'autres ou quoi, mais je pense pas. Hein. Je pense que on a eu des physionomies de match aussi qui nous ont pas aidés, mais nous aussi on a été fautifs sur pas mal de points. Donc je pense qu'on doit s'en vouloir et cette frustration de pas enchaîner les performances, il faut qu'elle nous anime et qu'on y pense, mais que ça nous fasse pas douter, qu'on bosse bien la semaine comme on le fait, et vraiment être performant samedi. Voilà, c'est que c'est une équipe qui est en difficulté, mais ça peut avoir de bons côtés, mais ça peut avoir aussi de mauvais côtés. Donc c'est à nous d'être... il va falloir travailler sur Agen, comme on l'a fait, mais c'est nous aussi, il faut être focalisé sur notre performance également. On n'a jamais été capable d'aller faire une performance à l'extérieur et de la valider à la maison. Donc c'est le danger qui nous guette pour samedi soir. Aujourd'hui, on est vigilant, voilà ce qu'on peut dire. Et puis, on a vraiment envie aussi de gagner samedi soir. De gagner samedi soir parce que on a dépensé beaucoup d'énergie samedi dernier à Lyon, à jouer à 14. Et on veut se récompenser aussi. Hein.